Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir ou bien nous allons découvrir les questions relatives à la conjugaison des verbes dans l'épreuve du BEM. Qui fait je trouve l'asile al-khass à la conjugaison de chahed talim al-moutawaf BEM 2023. On a une phrase. Si nous lançons un signal fort au secteur industriel, l'investissement se trouvera plus rapidement vers des technologies innovante. Réécris la phrase en commençant ainsi. Si nous lancions un signal fort au secteur industriel. القاعدة واش تقول لما تكون عندنا جملة تبدأ بسي متبوعة un verbe conjugué au présent de l'indicatif أي الفعل الموجود في الجزء الأول من الجملة conjugué في présent de l'indicatif le verbe de la deuxième partie de la phrase الفعل الموجود فالجزء الثاني من الجملة يكون مصرف أو فيتور سامبل هنا طلب منا إعادة كتابة الجملة ولكن المرة هذه الverb اللي جا من راسي مصرف في الامبارفي دونك لو دوزيام فيرب راح نصرفو في لو كونديسيونيل بريزون إذا سي نو لانسيون ان سينيال فور او سيكتور اندستريال لانفستيسمون سي تروفري plus rapidement vers des technologies innovantes. Donc, au conditionnel présent, le radical est celui du futur simple de l'indicatif et les terminaisons sont celles de l'imparfait. Nous rechauffons la question du BEM 2022. Écris le verbe mis entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. La phrase IA, il faut que nous arrêtions d'imaginer que les autres sont inférieurs. Fiad al-halal, zmtaarfoubli, après l'expression il faut que, le verbe est au subjonctif. Idem, il faut que nous arrêtions d'imaginer que les autres sont inférieurs. Observez cette phrase, je pense que la paix mondiale est possible. Après, je pense que. Le verbe se met à l'indicatif. Donc, je pense que la paix mondiale est possible.